les amis, c'était AWS 1995. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui vous montre comment installer Windows 2000 Professionnel sur vos vrais PC. Alors moi j'ai la version Service Pack 4 de Windows 2000 Professionnel. Voici le DVD d'installation. Je vais juste allumer mon écran une seconde. On va mettre le DVD. Puis on allume l'ordinateur. Une seconde, juste F2 entering setup. Alors là c'est bon, là on est sur le BIOS si vous voulez. Voilà, alors la date et l'heure sont correctes. Boot CD DVD disable, voilà. On va faire F10, save and exit. F11 pour le menu de démarrage. Alors on va sélectionner le dernier. Alors c'est bon. Installation de Windows 2000. Il a chargé la licence. Si vous pouvez, vous pouvez aller en haut, en bas. On doit faire F8 pour accepter. Alors c'est bon, il y a deux partitions. Donc CNTFS Windows. On va supprimer cette partition et on va créer la partition 30 Go. En fait, ensuite on va faire Enter et NTFS Enter. Redémarrer le PC. Là le PC redémarre. Donc normalement là il doit booter depuis Windows 2000 parce que j'ai démarré l'installation. On va voir s'il boot depuis le CD. Parce que là ça a l'air de tourner. Il dit appuyer surtout à n'importe quelle touche pour démarrer du CD. Ne faites surtout pas ça. Donc oui, il boot sur Windows 2000 Professionnel. C'est génial. En plus, là, la barre de chargement, elle est déjà à la moitié, c'est déjà bien. C'est la première fois que j'utilise Windows 2000 sur un vrai PC. Avant, j'utilisais Windows 2000 que sur VirtualBox. Donc, là, le PC démarre. Il va démarrer depuis le DVD. Oh wow, ma souris elle est rapide. Je vous présente mon clavier gaming et ma souris gaming qui marche avec Windows 2000, Mi, XP, Vista, 7, 8, 8.1 et 10. Donc ça marche sur tous les systèmes d'exploitation à partir de Windows 2000.
sommes de retour moins 5 minutes plus tard. Il a installé tous les périphériques, c'est bon. Donc vérifiez que les paramètres régionaux et celui de tous les utilisateurs est français France ou là où vous habitez. Clavier anglais États-Unis, je supprimais parce que j'ai pas de clavier QWERTY, j'ai un clavier AZERTY, donc c'est bon. Tous les utilisateurs utiliseront la disposition de clavier français et régler, vérifier que tout est correct. Alors faites suivant ensuite. Ensuite, vous écrivez votre nom. Ensuite, vous devez entrer la clé du produit. Alors, je vais vous donner la clé du produit. C'est DDTPV TXMX7 BBGJ9 BBGJ9 WGY 8K et B9GHM. B9GHM. Vous faites suivant. Ensuite, vous pouvez donner un nom à l'ordinateur. Je vais juste l'appeler Windows 2000. Ensuite, vous faites suivant. Vérifiez que la date et l'heure sont correctes. Vérifiez aussi votre fuseau horaire. Moi, c'est Paris-Madrid. Vous faites suivant. De changer la résolution d'écran, propriétés, paramètres, c'est tout. Bon, on va essayer. Oui, appliquer. Ok, oui, ok. Alors, maintenant pour installer les drivers, je vais brancher cette clé USB dans le port de l'ordinateur. Alors, comme vous le voir sur poste de travail, propriété, Microsoft Windows 2000, service pack 4. Non, c'est pas ça. Ah, c'est bon. Alors, on va d'abord faire le driver d'audio. Suivant. Non, je vais redémarrer plus tard parce que je fais un réglage avant. Paramètres, panneau de configuration. Son, mes multimédia.
quitter Windows, on va le mettre à Windows log off sound. Et question, on va le mettre à chimes. Appliquer. On va redémarrer l'ordinateur. Ok. Maintenant. Oups. On va tester direct 3D. Ah, on doit être en 256 couleurs. Alors, on va maintenant faire le driver SATA. Wow, c'est quoi ce truc alors qu'il est censé être bleu? Dégueulasse. J'ai fait Enter, hein, j'étais obligé. Oui, on va redémarrer maintenant. Si on peut régler, oui, non, je redémarrerai plus tard cette fois. On va faire. Alors, je sais pas c'est quelle version, DirectX, la version. C'est DirectX 7, DirectX 7. On va installer la version 9C. J'accepte, suivant. Suivant. Alors, c'est pour Windows 2000, Windows XP et 2003. Réduire la taille parce que c'est trop gros. Je veux voir l'installation. Ah, il faut redémarrer. Bon, je le ferai plus tard. Non, je vais le faire maintenant, dis donc. Allez, terminé. Alors, les photos, j'ai fait couper la vidéo. Voilà. J'ai coupé la vidéo parce que ça faisait 10 minutes presque. Du coup, j'ai fait couper parce que ça pouvait pas faire plus. On va installer les drivers. Alors, là, on s'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, on n'a plus besoin. Je vais essayer ça si ça marche. Install. Il a détecté. Alors pourquoi il y a un lecteur disquette? Je sais pas pourquoi. Il dit lecteur disquette, mais en fait il n'y en a pas.
il veut pas installer le driver. Donc voilà, Windows 2000 est installé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Occupé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve à plus tard pour une prochaine vidéo. Au revoir.